non, ça va pas recommencer. Ah, bah comme ça c'est mieux. Mesdames et messieurs, je suis votre hôte, Timekeeper. Dans quelques minutes, vous allez me rejoindre dans la pièce d'expérimentation pour assister au déroulement de ma dernière et fantastique invention. Oh! Une invention qui va changer le monde comme l'ont fait toutes celles que vous voyez autour de vous. Regardez-les, chacune est un miracle du génie humain. Et chacune a commencé par une idée. Idées qui sont nées de la nécessité, de l'observation, de l'inspiration, de l'application, et aussi du sacrifice personnel. Une idée en inspire une autre, elles en créent une autre, puis une autre, encore une autre, et ainsi de suite, 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 jusqu'à l'infini. Mais à la source de chaque nouvelle idée, il y a un être unique, un visionnaire, quelqu'un qui a la faculté de rêver. La volonté de poursuivre son rêve. Quelqu'un qui a la ferme intention de s'accrocher jusqu'à ce que le rêve devienne réalité. L'imagination, la volonté, le travail, ces qualités sont communes aux plus grands visionnaires de tous les temps. Aristote et Lavoisier, Kepler, Volta et puis Galilée, Copernic et Faraday, les frères Lumière et les montgolfiers, Archimède avec Platon, Newton, Darwin avec Champollion, Jules Verne, Alexandre Bell, Mozart, Vinci sont avec Eiffel, et Gutenberg avec Ampère, Oppenheimer avec Pasteur, Marie Curie avec Gandhi, au Panthéon ils sont tous réunis. Et maintenant, heureux élus, je vais vous présenter l'invention qui va me faire entrer dans l'histoire. Enfin, je l'espère. Mesdames, messieurs, voici mon extraordinaire machine à explorer le temps. Grâce à moi, nous ne voyagerons plus d'un endroit à l'autre. Nous voyagerons d'un bout du temps à l'autre. Bonjour. Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous présenter mon impatiente collaboratrice, Nanaï. Salut à tous. Votre pilote d'essai pour vous servir. Nanaï est la perfection même pour notre mission historique, car elle est une caméra voyageuse. Chacun de mes yeux, et j'en ai 9, est une caméra vidéo qui vous donne une vue panoramique totale, à gauche, à droite, partout. Timekeeper, fais pas le clown. Je te vois, j'ai aussi des yeux derrière la tête. Je ne fais pas le clown, je vérifie ton fonctionnement. Un fonctionnement, mesdames, messieurs, mis au point avec minutie. Nine-nine a subi les tests les plus rigoureux qu'un homme ou un droïde ait jamais dû subir. Tout d'abord, la résistance à l'eau. À d'énormes pressions. Au mal au cœur. À l'accoutumance en altitude. Après ce parcours sans faute, Nanaï est enfin prête pour explorer l'ultime frontière, le temps. C'est exact. Et aussi trouver quelques antiquités, si possible, à des prix raisonnables. Nanaï, un peu de tenue, s'il te plaît. Tu vas pas faire du shopping. Tu vas peut-être rencontrer quelques-uns des plus grands cerveaux de l'histoire. Ça va me changer. Tais-toi. Ainsi donc, maintenant, sans plus attendre, voyons ce que la bestiole a dans le ventre. Tout est maintenant parfaitement... sous contrôle, sous contrôle, sous contrôle... Ah, c'est bon quand ça s'arrête.